I'm giving you a night call to tell you I feel. Hey, t'es sympa cette soirée. Hein. Ah, c'était génial, c'était génial. Ouais. Hey, en vrai, t'aurais pu conclure là avec l'autre. Oh non, non, je me sentais pas. Oh, tout ça, franchement. Non, mais c'était pas mon genre. C'était coincé du cul. C'est hein. Toujours la même excuse. Eh ouais, en vrai, t'es coincé. Ah, ça m'énerve. Non, ça chie. Je sais pas, fais quelque chose. Ouais, il faut se libérer dans la vie, tu vois. Là, t'es prune en fait, on dirait une vraie. Ouais, c'est une espèce de petite fille modèle. Allez, on sait bien que t'es pas comme ça. Mais t'es moche, non quoi. Mais t'es moche, s'il te plaît. Mais il y a pas à dire là-dessus. Je suis désolée, mais non. Tant pis. Et en même temps, oui. Non, non, mais. Bon, on en fera d'autres. De toute façon, on en fera d'autres. Attention! Merde! There's something inside you, boy. It's just the same. I'm giving you a night call to tell you I feel. I'm gonna drive you through the night down the hill. Il y a eu un accident. Rue de Besançon. Il y a une victime. Et vous écoutez France Jura 42. Dans deux minutes, le retour du meilleur des hits. Mais pour le moment, rappel des nouvelles de ce matin. Un nouveau magasin vient d'ouvrir. On l'appelle le Trouve-Tout. On y trouve de tout. Mais sauf des organes, évidemment, ça coûte un peu cher. Mais c'est pas grave. Bah oui, c'est pas le plus grave. Oui. Aujourd'hui, un accident est survenu aux alentours de 4h du matin. Une jeune femme a été renversée puis emmenée aux urgences où elle a succombé à ses blessures. Ah, la pauvre petite. Eh oui. Cet événement est survenu rue de Besançon. La police recherche activement Lucie Charron, mais nous n'avons pas plus de renseignements pour le moment. Oui, mais ce n'est pas grave pour l'instant. On va écouter la nouvelle musique de Maître Jims. Allez, ouvrez, police! T'es sûr qu'on a pas un peu abusé avec Lucie là? C'était elle ou nous? On a paniqué, ok. Ouais, mais elle se retrouve quand même accusée du meurtre, toute seule. Et ils vont rien lui arriver. C'est une espèce de fille modèle. Ça va bien se passer pour elle. T'es certain de ça? Parce que quand même, c'est chaud. Ouais. Suivez-moi. Allez Lucie, fais pas ça. Ouais, on voulait pas faire ça. On a paniqué. S'il te plaît, on voulait pas t'embarquer là-dedans. On pensait pas que ça irait aussi loin. Vous savez quoi? Vous êtes une belle bande de connards.
Alors maintenant, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez appeler les flics et vous allez dire la vérité. Vous allez dire que je suis pas coupable, que j'ai pas tué cette personne. T'es sérieux? On va pas appeler les flics? Non. Sérieux, on va être dans la merde après. Ouais? Mais vous vous foutez vraiment de ma gueule, la bande de cons! Alors c'est comme ça que ça s'est passé? Ouais, en gros. Nous sommes bien d'accord que de votre point de vue, vous n'êtes pas la coupable, ce sont Yann et Louis les coupables. Ça fait au moins la 10e fois que je vous le dis. Sinon, j'ai reçu un petit message de vos deux compères. Ils m'ont dit de vous faire passer, tu as changé Lucie. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ce sujet? En un seul jour, ma vision du monde a totalement changé. J'étais une jeune fille modèle et maintenant je suis quelque chose. Aujourd'hui, je me sens comme métamorphosée. Sans transition, du nouveau sur l'affaire Lucie Charron, accusée d'homicide involontaire survenu pas plus tard qu'hier soir au centre-ville de Dole. Je suis en présence de Monsieur Belladoni, enquêteur chargé de l'enquête. Bonjour Monsieur Belladoni. Bonjour. Donc vous êtes l'inspecteur chargé de l'enquête, donc vous avez recueilli des informations auprès de Madame Charron lors de son interrogatoire, donc qu'avez-vous à nous dire sur ces informations? Concrètement, on a appris beaucoup de choses sur cette affaire. Déjà, Lucie n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Par contre, les deux personnes qu'il avait dénoncées à la base sont les deux accusées et sont les deux coupables de ce fait. Mais alors, qu'adviendra-t-il des deux jeunes accusés ainsi que de Madame Charron? Concrètement, pour les deux coupables, la peine maximale qu'ils encourent est une peine maximale de 5 ans du fait qu'ils n'ont fait pas d'assistance à personne en danger, et que c'est quand même un homicide volontaire dans un sens. Et ils encourent quand même une amende de 75 000 euros. Au niveau du cas Lucie, de toute façon, elle est relaxée. Il faudra juste qu'elle passe faire 2-3 papiers chez nous, et elle sera tranquille jusqu'au restant de sa vie. Donc tout de suite, la météo avec notre nouvelle Miss France, embauchée ce matin. Tu as changé, Lucie. You're talking about you, boy. But yours is the same. You took my lover.